sur le ballon. Et c'est bien vrai. C'est un ballon est à la limite du hors-jeu. Il est à la limite du hors-jeu. C'est pas possible. Doit remettre pression. Qui pouvait relancer ce match? Qualifié en tant que meilleur troisième, mais c'est parce qu'on aurait voulu, en tant que pays organisateur, on aurait voulu vraiment gagner pour le public, pour la fierté en fait de la Côte d'Ivoire. Là, on a été léger sur des occasions. La chance n'était pas en notre faveur, voilà. On a tout donné, mais c'était pas ça. Donc on espère qu'on sera meilleur troisième et que devant, on pourra donner le meilleur. C'est tout. Bon, le match, ma maman. Tiens, ils ont bien joué, mais. Ils ont tout raté! À nous là, ils ont bien joué, mais ils n'ont pas été convaincants, c'est tout. On a demandé pour le prochain match. Toi, on est en train d'être qualifié. Il est troisième. Donc, on va espérer encore pour que. Ah, en tout cas, le match était bon, mais surtout, on n'était pas du tout content. Puis c'est à la dernière minute, les joueurs ont commencé à lâcher, tu vois, non? Donc, les milieux de terrain, ils devaient motiver les autres, aux attaquants de gagner, mais. Ils ont lancé vers la fin. Mais on est troisième. On espère gagner la suite. Ouais, c'est ce que je veux dire. Moi, mon deuxième pays, c'est le Maroc. Donc, vous les Marocains, là, je vous regarde, les Marocains. Là. Notre président, là, c'est son village qui est marocain. Avec les petits brutaux, là, c'est son village qui est au Maroc. Maintenant, c'est les Marocains, on suit. Mais le président de Idriss Diallo, entraîneur, tous ceux qui font le recrutement de FIFA de Côte d'Ivoire, on va les mettre en prison. Ils ne vont pas saluer l'image de notre président comme ça. Avec tout ce travail-là, on ne veut pas accepter ça. On va les mettre dedans. On va les mettre en prison. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.